Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley, donc c'est parti. Alors, on va essayer d'aller voir notre petite Marnie aujourd'hui. Essayer de lui donner tout simplement un quartz pour essayer d'être meilleur ami avec elle, on va dire. Donc c'est parti. Donc on a ça récolté. On a des petites tomates, on a du houblon. Pourquoi il y en a qui sont. On a l'impression qu'ils sont crevés de trucs là. Non, je veux pas le manger, je veux le mettre à vendre. Ok, donc on met tout ça à vendre. Donc j'arrose tout ça et je reprends après les copains. Alors les amis, on se retrouve. Donc ça y est, j'ai arrosé tout ça. Donc on va aller voir les petites poules. Ouais, elles sont toujours toutes petites. Je sais pas au bout de combien de temps elles grandissent ou quoi que ce soit. C'est un peu compliqué, on va dire. Ah, nice, on a de la framboise. Non, non, je veux pas la manger. Ok, donc on en a qui est étoilée. Donc je ne sais pas s'il en faut pour. Ah, attendez. Hop, centre communautaire. Non, hop, non. Non, il faut pas de truc étoilé pour ça. Ok, donc c'est parti. On peut mettre ça à vendre sans problème. Je sais pas pourquoi j'en ai gardé une là. Ça aussi, je peux le vendre. Ça aussi, on en a plus besoin. Hop, on va mettre tout ça à vendre. Comme ça, on vend le maximum de choses. Parce que j'aimerais vraiment qu'on ait très, très rapidement cette maison. Hop. Alors c'est parti, on va voir Marnie. J'espère qu'elle est bien chez elle cette fois. Allez, allez, go. Marnie, sois chez toi s'il te plaît. Eh, j'ai même pas vérifié, attendez. Ah, on peut toujours pas. Je suis déception. Mon Dieu, non! Ah, je suis déçue, les amis. On peut toujours pas donner ce fucking cadeau. Bon, ça bouleverse mes plans pour cet épisode, va-t-on dire? Oui, je la mange, très clairement. Parce que je me vois pas aller à la mine là tout de suite. Bah, on va réessayer de pêcher, vous savez quoi. À la guerre comme à la guerre. Donc, c'est parti. On va essayer de pêcher, les amis. Je vous garantis pas d'y arriver, mais on va réessayer. Hop. C'est parti. Hop là. On est good. On va y arriver. Ça va le faire, les amis. Easy peasy. Alors, ces corps. Ah, c'est l'anniversaire de Willy! Ah, j'ai pas de carottes souterraines, il m'en manque déjà une pour moi. Ah bah, vous savez quoi? Si on trouve quelque chose sur la plage, on donnera à Willy pour son anniversaire. Écoutez, on va faire ça. Alors, est-ce que sur la plage, il y aurait quelque chose qui traîne? Salut la plage! Bonjour, bonjour! Il y a rien qui traîne? Non, pas de ce côté. Pas de ce côté du monde. Alors. Il n'y a rien pour une fois à la plage. Seriously? Oh, je voulais donner un truc à Willy pour son anniversaire. Flûte! Ah, c'est dit, c'est fait. Bon, alors. Willy. On va pas embêter Lee, on va la laisser tranquille. Alors voilà, là j'ai jeté l'hameçon. Il n'est pas le plus loin possible. Mais normalement, là, au bout d'un moment, il est censé nous faire un hit, le petit monsieur. Allez, go! Ah, les amis, c'est tellement long. En vrai, ce genre de truc IRL, je ne ferai jamais la pêche parce que je trouve ça trop statique. Je trouve ça trop ennuyeux. On va pas se le mentir. Il y en a qui aiment ça, mais moi, c'est pas mon cas. Allez! Allez, coco! Attends, je fais ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on doit pêcher dans le jeu, les amis. Pourquoi ça veut pas?
Je suis d'accord avec toi, bonhomme, mais c'est bizarre. Ah, mais c'était déjà celle que j'avais, mais... Ah, je suis presque au bout, hein. Faut vraiment que je sois parfaitement au bout. Ah, ça veut pas, c'est horrible. Ah, vous voyez, c'est... Ah, je peux... J'essaye, mais franchement, c'est n'importe nawak. Ah lui, tu veux tranquille, juste mettre sa canne à pêche tout devant lui et il n'y a pas de problème. Mais what? Mais pourquoi ça marche pas? J'ai eu un journal détrempé, les amis, alors que ça m'a pas mis de hit. Mais je crois qu'il en faut un pour la quête des Géminos. Mais je comprends vraiment rien à la pêche, je vous jure, c'est... Enfin, j'achète l'hameçon, je vois pas quoi faire de plus, vous voyez. Et après, il faut attendre qu'il y ait le hit, c'est ce que j'ai vu. J'ai même regardé un tuto pour la pêche sur Stardew Valley, imaginez-vous! Mais je sais pas, c'est très bizarre. Ça devrait au bout d'un moment me mettre hit et en fait je devrais me battre comme je vous avais montré, je sais plus à quel épisode au tout début. Et je sais pas, ça le fait pas. Je comprends pas. Du coup elle met des points d'exclamation, mais je suis d'accord avec toi cocotte, mais... Je peux pas faire plus les amis, je... La pêche, j'y comprends strictement que dalle dans ce jeu, c'est... Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Regardez Willy là, sa canne elle est juste au côté, à côté, donc moi ça devrait mordre. Allez Coco, s'il te plaît. Bon, j'abandonne, on rentre à la maison, et clairement la pêche elle me gonfle dans ce jeu. Donc des mouettes. Et enfin j'arrive à comprendre la pêche, hein. Pourtant, j'ai regardé le tuto qui l'expliquait, le gars, j'essaye de suivre ses conseils et tout, mais que dalle, quoi. Enfin, c'est horrible. Eh, attendez, on va passer. Eh, il y a Marnie. Tenez, on va discuter avec Marnie. J'ai renversé un seau entier de lait sur le plancher aujourd'hui, c'était horrible. Un tel gaspillage pour du travail dur fourni par ma pauvre Belinda. Ah, il veut pas qu'on lui parle. Ok, personne ne veut parler, c'est génial. Allez vous faire voir, voilà ce qu'on dit. Je suis pas du tout en train de m'énerver sur eux, pas du tout. Vous faites des idées, les amis. Je crois qu'il le faut, lui, le journal des trempés, hein. Je vais le garder. Oh. Va falloir qu'un jour la pêche marche, parce que là, ça va pas. Oh, on a une confiture, ça y est. Tomate en conserve. Hop, ça on le garde. Alors du coup, je suis dégoûtée d'avoir dépensé 500 pour avoir la même canne, quoi. C'est du n'importe nawak, les amis. Ah, je peux même pas la vendre, la canne. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Gaspillage. C'est horrible! Ça me saoule. Moi, je pensais que c'était une différente de la mienne. Pourquoi mettre en vente une canne que j'ai déjà? Ah, flûte! Bon, on n'a plus d'énergie là. Hein. Alors, pour le deuxième jour, là, clairement, si on peut pas faire de cadeau à Marnie, on va à la mine. En premier. Bah écoutez, on a récupéré l'argent qu'on a perdu en rachetant l'autre canne à pêche. Ma foi. Jour 25 de l'été. Alors. Et le houblon.
Alors c'est parti, ça. On peut toujours pas récupérer les melons. Yeah! Ah, je suis tentée d'en racheter, mais en même temps, il nous reste pas beaucoup de jours, vous voyez. Avant la fin d'été, et j'ai pas envie de gâcher quelque chose. Hop, hop. Alors, c'est quoi ce courrier, les amis? Allô? Alors, ah, hello, mon genou fait des siennes à nouveau et tu sais ce qu'il me faut. Le frotter avec un piment fort. Le problème, c'est que j'ai épuisé mes réserves. Si tu en as qui traînent, j'en serais très heureux, Georges. Alors, du coup, c'est un peu problématique. Je viens de vendre avant de lire. Youhou! Alors, Marnie, on peut toujours pas lui refaire de cadeau. Ah, flûte. Et bah comme je vous ai dit, c'est parti, on va à la mine, on va essayer de descendre de 5 niveaux et on arrosera en rentrant à la maison. Alors c'est parti, on y va. Hop, go. Hop là, c'est parti les amis. Non, faut que j'arrête. Ah, j'ai rien pris à manger par contre. Ah, j'ai été un peu bête là. Bon, c'est pas grave. On va essayer de descendre de 5 niveaux de toute manière. J'en cherche pas plus, les amis. Hop. Oh. Elle traîne. Ça, je peux le manger. Donc, je prends. Non. Ah non, je peux pas la manger, celle-là. Ah la 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 la. Bon, c'est pas grave. ...7200, les amis. Bientôt les 10 000. Bon. J'espère qu'on va y arriver. Ah, il y a un raisin là-haut. Il faut que j'y aille. Ouh. Allez. Tout, 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 tout. Yes. Au moins, ça, on pourra se restaurer un peu de santé si on a besoin. Parce que je pense pas que l'énergie va nous manquer. Je pense que c'est surtout la santé. Ils sont quand même coriaces, les trucs. Hein. Alors, on a bientôt nos 99 slimes aussi pour la quête des Juminos. Donc... ça pourrait être bien. Mais je vais vraiment rush les niveaux. Je vais pas rush les Juminos. Allez, c'est parti. On va essayer de descendre à l'étage 15, les amis. Allez, hello. C'est parti. Alors, où est-ce qu'elle serait la descente? Sérieusement, je peux pas passer là. Alors, où est-ce qu'elle est, l'échelle? S'il vous plaît, donnez-moi vite les échelles. Je veux juste descendre les niveaux histoire de pouvoir avoir de nouveaux minerais. Ah bah. On prend le quartz. Je peux pas le toucher, mais hey, c'est n'importe quoi des fois, hein, leur truc. Hop! Il est mort. Il va arriver la même chose à celui-là. Allez, crève! Voilà, merci bien. Oh, désolé, je sais, c'est pas très poli de dire crève, mais là... ça vient du plus profond de mon cœur, les amis, jolis. Hop! Allez, go! Ah, ok, donc il n'y a rien... Alors, l'échelle, s'il vous plaît. Elle serait là quelque part. Alors, s'il vous plaît, Madame l'échelle, vous êtes tout. Bonjour. C'est quoi ce truc? J'en ai jamais vu de ça. Ça me dit rien, les amis. Ok, ça me donne ça. Bon. Rien de folichon. Bah alors, elle est où l'échelle? Ah! Un bol d'enfer, les amis. Allez! Alors, où est-ce qu'elle serait l'échelle? Eh, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est juste un rocher que j'avais laissé. Pourquoi? Allez.
Alors, où est-ce qu'elle est la fichue échelle, bon sang? Allez, s'il vous plaît, soyez sympa, j'ai envie de descendre. Il est déjà midi 50, quoi. Ah, mais sérieux, il va falloir que je casse tous les rochers pour avoir l'échelle. Ah, les amis, c'est quoi ce truc-là? C'est cool de récupérer du caillou, mais c'est pas du caillou que je veux là, c'est descendre. Hop. Ah, punaise! Alors. Donc, elle est pas là. Nice. Alors, je vais déjà explorer un peu l'endroit, voir s'il y a des trucs à apprendre. Donc là, par exemple, il y a du cuivre. Je le prends parce qu'on aura besoin pour améliorer notre petite pioche. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout de ça? Oh, des juminos. Yes, il est mort. Fichu Juminos. Yes. Alors je vais prendre ça parce que j'aime pas voir ma santé baisser, les amis. Nice. Bon. Alors, du coup, niveau 13. Allez, faut que je trouve rapidement par contre la sortie. Parce que là, l'énergie baisse. Allez, s'il vous plaît. C'est pas là. Allez, s'il te plaît. Désolée si vous entendez mon chien qui aboie, mais voilà. Je peux pas la mettre en mode silence, vous voyez. Elle est vivante. Hein. Hop, allez! Punaise, mais c'est quoi ces trucs qui sont immortels à chaque fois? Ah, d'accord. J'ai réveillé un machin sous terre. Hop! Alors, allez où l'échelle, s'il vous plaît? Allez, j'ai pas envie de blaguer là, moi. Allez! Oh, punaise. Il arrive toujours à me toucher, même quand j'ai pas l'envie du tout. Hein. J'ai plus beaucoup d'énergie. Je pensais vraiment que ça serait moins galère de trouver les échelles. Hein. Oh punaise. Oh là là, c'est un carnage. Je déteste ce système de combat de ce jeu. Je déteste. Oh mais j'ai cassé beaucoup de cailloux là. Oh punaise. Oh non, allez, donnez-moi vite fait le truc pour descendre. Ouais, bon, laisse tomber, il faut que je rentre. Ah, c'est galère. 19h10. Est-ce que je vais réussir à rentrer à la maison avec ce qui me reste comme énergie, j'espère.
Ça a été la calamité encore dans la grotte. Hein. C'est vraiment horrible ces mines. Hein. J'arrive pas à me dire que l'on puisse vraiment avancer dans ce truc. Bon, allez, on rentre à la maison. Écoutez, on a un petit peu plus de trucs. On a récupéré du quartz pour enfiler à Marnie. Donc écoutez, c'est toujours ça de gagner. J'espère que pour le prochain épisode, on arrivera enfin à récupérer le caleçon de Lewis. Parce que là, c'est vrai que l'épisode aura été folklore. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors. Ah, on a eu que 5 trucs de slime, donc à mon avis, on n'aura pas ce qu'il faut pour la quête des Juminos. Alors, c'est parti. Allez. Allez, cocotte. On va arriver à temps à la maison ou pas? Ah, j'ai pas arrosé mes cultures en plus du coup, parce que j'ai voulu aller miner. Bon, bah, on aura perdu une journée. Il est 20h. Ah, j'ai eu un crabe. What? Pourquoi pas? Donc, je vais arroser mes plantations parce que sinon, ça va être la galère. Il faut à tout prix que j'arrose tous les jours parce que sinon, on va pas s'en sortir. Yes. Alors, je vais arroser rapidement, les amis, et je vous reprends après. Les amis, j'ai arrosé, j'ai fait de mon mieux, je voyais pas grand chose, on va pas se mentir, je vais retourner dans la grotte. Je suis omnibulée par le fait que ça produise pas tant que ça, l'histoire des... Ah! Des cerises! Oh, des cerises! Alors là, pas là. Ah, il faut 10 blés, j'avais pas fait 10 fois ici. Paquet cuistot. Ah, j'avais pas. Eh, les gens, je sais pas ouvrir les yeux, c'est pas possible. J'ai l'impression que je les vois pas, ceux-là, d'habitude. Il faut faire que je prête plus attention parce que là, il y a. Il y a des livres que j'ai pas vus alors. Il faudra que je fasse attention. Hop. Donc 18 foin et 10 blés. Donc la prochaine fois que je ramasse mon blé, j'en garderai. La cerise, je vais la garder quand même, vous savez, parce que, à mon avis, ça doit être assez rare. Donc c'est parti, on va faire dodo. Oui, on va faire dodo. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir avec tout ce qu'on a mis à vendre? Ah, on n'aura pas encore assez, les amis. Mais bon, écoutez, on y est presque. Au prochain épisode, on aura les 10 000 pour la maison. Et on pourra peut-être encore nouveau faire des cadeaux à Marnie. Donc je vous laisse là pour l'épisode, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Stardew Valley. Des bisous à tous. Bye bye tout le monde!